Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se met aujourd'hui, enfin on se met aujourd'hui, on se met dès à présent en deuxième partie de soirée du Full Friday sur Slay 3, Honor Among Thieves. Le son m'a l'air un peu fort. Voilà. Donc on reprend notre partie de la semaine dernière où on avait terminé le monde de Venise et là on arrive en Australie où on va tenter de sauver le gourou de Murray puisque on est venu le retrouver parce que Murray avait des regrets, etc. Je vous laisse vous référer à la... Je vous laisse vous référer à la partie précédente pour comprendre pourquoi. Et puis du coup, on a assez aperçu que la zone était en travaux. On voit les grues là en arrière-plan à gauche. Voilà, le paysage est défiguré et le groupe est introuvable. J'essaie de rajuster le son pour que vous puissiez entendre les dialogues. Parce que là, je me réfère vraiment juste au mixeur et au mixeur de son, bien sûr. Et du coup, c'est pas toujours facile. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a que Sly qui a une mission, forcément, puisque on vient d'arriver. Donc les missions de reconnaissance, c'est toujours Sly qui les fait. Merde! C'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Oh! Ah, bon, tant pis. Ah, mais on peut sauter par là. Voilà. On va en profiter pour le voler à lui. Et... Ah, merde! Mais pas de problème, vieux. J'ai hâte de le rencontrer. Quelqu'un que tu appelles maître doit être un sacré mec. Oh, il est mortel! Il peut entrer dans ta tête et te montrer tous les visages de la peur! Mortel? Waouh! Donc oui, j'étais en train de taper quelqu'un, mais en fait, bon, non. Ok, on va dans cette grotte alors là-bas? Ça m'a l'air de craindre un peu. Ok. Ah, ça y est, le son est qu'à droite. Je revois les branchements et je reviens tout de suite. Ouais, non, ça va pas niveau branchement là. La magie des prix spirituels. Merde. Complètement pas ce que je voulais faire. Ah.
comment faire? Oh merde. Ouais bah oui. Forcément qu'il est que j'allais me que j'allais être vu. Bon Oh oh. Ah. Ah. Non. Non. Mais non mais pourquoi tu sors en arrière toi? Putain, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là? Bon. Ouais, non, ça marche pas. Attends, mais on va essayer par autre part. Oups. Voilà, merci. J'allais demander du soin, justement. Donc ça tombe plutôt bien. Merde. À mon avis, ouais, c'était plutôt cette route-là qu'il fallait emprunter. Voilà. Enfin, on y arrive. Vieux, cette grotte est vide. Tu ne sais pas où il pourrait être? Voilà sa hutte. Mais ils ne traînent pas souvent dedans à cause de l'odeur. L'odeur? C'est une longue histoire. J'ai dû m'excuser pendant un mois avant qu'il ne m'adresse la parole. Qu'est-ce que t'as fait? C'est indescriptible, Sly. Tesla. D'accord, merci pour la description. Je vais voir sa hutte. Non, tant pis. C'est où? C'est là-bas. Oh, je suis pas très loin en vrai. C'est quoi ça? Ah. C'est ma... Ok, il est allé nager tout seul. Les murs sont couverts de crochets. Les mineurs doivent y accrocher leurs foreuses. On dirait que tu vas avoir droit à un petit stage d'escalade. Merci Bentley. Désolé, Murray. Il n'y a personne ici. Et on dirait que le gourou s'est battu avec quelqu'un ou quelque chose. Je commence à croire que les mineurs pourraient y être pour quelque chose. Tu dois avoir raison. Non, sans deck. Ils ont dû rentrer tout énervés et lui, il devait être tout paisible et ça les a intrigués.
Alors il a essayé de trouver un juste milieu, et ils ont dû péter un plomb, et ils ont tout cassé, puis ils l'ont emmené. Tu crois qu'ils auraient pu l'emmener où? Ils l'ont eu! Mon maître est fichu! Je crois qu'il vaudrait mieux que je parle à Bentley. C'est triste à dire, mais vu la disposition du camp, tout porte à croire qu'ils utilisent cette zone clôturée comme prison de fortune. On dirait qu'il y a moyen de passer au-dessus par la falaise. Sans problème. Garde un œil sur ce gyrocoptère. Je suis à peu près certain que c'est avec ça qu'ils ont repéré le gourou. Merci du renseignement. Alors. Ben on va continuer par là, je pense. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je l'ai foutu dans les scies, donc Oula, ok. Mais, et putain, il me donne même pas de soin, le con, en plus. Ok. Tu dois être le gourou. Je suis un bon copain de Murray. Il est venu demander de mettre fin à son entraînement. Ok, je vais d'abord te sortir de là et nous irons lui parler. Tu ne peux vraiment pas partir sans ton équipement. Ouais, j'ai vu que les mineurs en ont fait voir de toutes les couleurs au paysage. Quant au bâton et à la pierre de lune, moi et mon clan, on a un certain talent pour retrouver les choses volées par erreur. Bon, ah bah mission terminée. On va peut-être avoir un speech de... Ouais, on a un speech de Bentley. Le gourou ne quittera pas la prison tant qu'il n'aura pas son bâton et sa pierre de lune. Il veut également qu'on libère Ayers Rock des mineurs. Alors seulement les esprits de l'Oniritan seront apaisés et le gourou retrouvera ses pouvoirs. Sly a dû l'impressionner tout à l'heure, car il demande à rencontrer Murray et moi individuellement pour évaluer nos centres spirituels, je crois. J'ai découvert un passage dans les galeries de la mine qui devrait nous faciliter l'accès au gourou. Il a également parlé du masque noir de la Terre sombre, déterré par les mineurs. Je suppose que sa mission est de garder ce truc et que maintenant qu'il est sorti, il va se passer de mauvaises choses. Tout ça, c'est du prêchi-prêcha pour moi. Mais on a rencontré tellement de phénomènes inexplicables au fil des années que je ne me risquerai pas à ignorer ces menaces qui pourraient compromettre notre opération. C'est un peu dommage que la musique soit vraiment forte par rapport à la voix dans ces séquences. Ok, on a soit Sly, soit Murray. On va prendre Murray, histoire de... Opération Bouche, jour 1. Alors, Hippopos Péléo, on a Sombre Galerie là-bas. Et ça a l'air d'être les seuls trucs qu'on a de dispo. Oh. Ok. Donc ouais, je prends histoire de varier un petit peu, hein. Oh là 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 là, ok. Ah, ok, c'est vite dit, hein, mais bon.
Alors ça, c'est les gros ennemis, normalement on est pas trop capable de les battre, mais là comme on est avec Murray, écoutez. Ça roule. Ah bah non, ça c'est pas un trampoline. Ah bon, on va éviter quand même de donner le bâton pour se faire battre, hein. Ce serait un peu couillon, mais bon. Oups. Oh oh. C'est bon. Nous y sommes. Je sais que tu es un peu nerveux à l'idée de revoir ton maître, mais il veut que toi et moi le rencontrions individuellement. Sans le gourou, je ne serai pas le Murray que tu vois aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il sera content de mes progrès au niveau mystique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as utilisé la spiriboule aborigène à bon escient à Venise. Il sera fier de toi. Peut-être, mais j'ai perdu mon calme et je me suis battu avec Octavio. Pour me sauver, je suis sûr que le gourou aime voir des amis s'entraider. Va dans cette grotte, ça te mènera directement à lui. Ok, Bentley. Où est la grotte? Va dans cette grotte, ok. Oups. Aïe. Tiens, bien fait. Ça va, l'accès était simple à trouver. Essaye de dégommer ces stalactites avec des pièces. Évidemment, ça marche aussi avec des gardes. Hein? Ah! Ok. Ah! On va y arriver. Pour réussir à le bouger, hein, le Kid Murray. On va pas se mentir, ça c'est jouissif. Oh non, le son recommence à déconner. Ok. On arrive au bout de la grotte, j'ai l'impression. D'après le schéma hydraulique de la mine, la porte devant toi a l'air d'être scellée. Ah non. Alors je vais la défoncer. À quoi bon avoir des poings si on peut pas défoncer des portes en acier avec? Elle est trop épaisse, même pour toi. Non, pour passer, il va falloir faire monter la pression dans ce piston. Tu veux que je frappe ça? Pas de problème. Mets-toi en spiriboule et rebondis sur le haut du piston pour le faire descendre. Quand la pression hydraulique sera suffisante, la porte s'ouvrira. Attention, piston! Tu vas déguster! Ça y est, Murray est revenu dans son rôle de bourrin. Comment on faisait déjà? Oh merde. Alors, je finis la spiriboule et puis je vais trifouiller les câbles. Ah quoique, ça a l'air d'aller. Hop. Ah, merci pour la vie.
La vie, la vie, la vie. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont allés s'aménager une grotte pareille, quoi, sérieusement. Encore une porte fermée. Pour ouvrir celle-là, il va falloir que tu agisses sur trois pistons en même temps. Ah, ok. On attaque toujours celui qui est le plus haut, je pense. Ça devrait fonctionner. Honnêtement, le truc est vachement permissif parce que souvent, ça me compte OK alors que j'ai appuyé bien avant. Ouais bon, ils étaient pas super menaçants non plus. Wow, ce mec est balèze. Ça doit être à cause du masque noir de la Terre sombre dont le gourou nous a parlé. En curieux, on dirait que ça rend celui qui le porte plus grand et plus agressif aussi. Ah oui, il a le masque. Ma quête pour retrouver mon gourou ne s'arrêtera pas à cause d'un grand abruti masqué. Même si tu gagnais, tu n'aurais nulle part où aller. La porte a un verrou électrique. Toute cette zone dépend du même circuit. Et même les foreuses y sont raccordées. Alors je vais balancer ces clowns sur les foreuses. Bon, ça pourrait couper le circuit. Mais c'est toujours. Ok. Aïe. Rappelle-toi, appuie sur la touche triangle pour donner un uppercut au mineur, puis sur la touche cercle pour l'attraper. Ah, sur les foreuses donc. Continue, tu fais des dégâts. Ah merde. 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 Ah, j'ai mis vie. Une foreuse en moins, encore deux. Lequel? Yes. Ce masque sait courir. Pas le mien. Bizarre. Continue vers le courant, il aura des réponses. La porte devrait être débloquée maintenant que le circuit est coupé. Ouais. Mais on peut pas aller le... Ah bah si, c'est cette porte-là, justement. Ah, quoique, non. C'est de là que je viens. Je suis de retour, mon maître. Va falloir faire tout ça avec Bentley aussi. Je voudrais... Je demande... Oh là là... Ouais, je veux retourner avec mes amis. Et on espère que tu viendras avec nous. Bon, me dis. Tu adorerais le clan. On y fait plein d'activités. On est très violent en plus, ça va te plaire. Les mineurs, les gyrocoptères et le masque noir de la Terre sombre. Ouais, c'est pas rien, mais on va t'aider, promis. Ouh là là. Merci. Ouh là là. Je suis heureux aussi. Ok, il nous reste une mission avec Sly. Ah non, on a une mission avec Murray ici. Je l'avais pas vue celle-là. Prenons la thune.
Ah, merde. Ah merde. Non. Mais putain. Oh. J'aimerais bien regagner un peu de vie en vrai. Ça m'arrangerait pas mal. Murray, fonçons vers Ayers Rock et chassons ces dingos de mineurs. Ton gourou veut purifier l'endroit. Génial! C'est le plus gros camion que j'ai jamais conduit! Je pourrais écraser une maison avec ce bijou! Certainement, oui. Ok, donc là, on va être dans une mission qui a vraiment un gameplay différent. C'est ça que j'aime bien aussi avec Sly Cooper, même s'il y a des trucs qui pourraient être corrigés sur ces jeux. En termes de maniabilité et compagnie, c'est quand même plutôt sympa d'avoir un peu de variation. Coucou Mother, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. J'ai une petite idée sur la façon dont nous allons faire partir les mineurs de Ayers Rock. Mais pour ça, on va devoir forcer les foreuses à creuser plus profond. Ok Bentley, je t'écoute. Même si j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'occupe de quelques gardes pour atteindre les commandes des foreuses. Assomme les gardes et démarre la foreuse. Ensuite Murray commencera la phase 2 du plan. Dégomme tous les gardes. Ok, bah go. Efficace ou pas? Beau travail, Sly. Les vibrations de la foreuse devraient faire sortir les scorpions géants à la surface. Éclaté, je me remets pas du séjour à Paris. Merci pour le GG à Yupa. Et là, peut-être avec le week-end. Bah, j'espère pour toi, quand même. C'est un boulot pour le marais. J'ai une question. Comment on capture des scorpions avec un camion? Le véhicule est équipé d'un frein à main surpuissant. S'il est tiré en mouvement, le camion fera une culbute. Avec un bon timing, tu attraperas un scorpion dans les filets intégrés au camion. Okay, ouais, sur le toit. Ok. Péter les scorpions. Pas si vite. Une grosse journée encore. Ah, merde. Tu vas devoir les refroidir en roulant dans l'eau ou sur des scorpions. Surveille le thermomètre pour t'assurer qu'ils ne fondent pas. Et rappelle-toi, il ne nous faut que les scorpions soldats rouges. Les scorpions ouvriers bleus ne vont pas effrayer les mineurs. Les commandes du camion sont simples. Maintiens la touche X enfoncée pour avancer. Et la touche R pour reculer. Quand tu roules assez vite, appuie sur la touche R1 pour et attraper un scorpion. Bon travail. Il y en a d'autres qui remontent à la surface. Ok. On n'a pas une grande vue, hein. J'ai cru en voir par là. Ah non, c'était du bleu. Oh, vas-y. Ah, bien joué. Il est bien comme jeu, il est très très bien comme jeu, je trouve. C'est une de mes séries préférées, une de mes séries de jeux vidéo préférées. C'est de la PS3. Après là, c'est pas très représentatif de ce qu'est le jeu, étant donné que c'est pas... C'est une mission qui est très... avec un gameplay différent du reste du jeu, en fait. Mais... Si tu restes un petit peu, tu pourras voir un petit peu plus à quoi ressemble le jeu. Ça nous fait 5 rouges dans la boîte. Alors là par contre, il va falloir refroidir les pneus. J'ai pas l'impression qu'il y ait de timer, donc ça va, c'est plutôt détente. Allez. Du coup, ouais. En plus vous êtes rentré
Vous êtes arrivé à quelle heure? Vers 10h, un truc comme ça? Hop là, je roule sur les scorpions puisque les scorpions refroidissent aussi les pneus. Allez savoir pourquoi. Oh, il y a plein de rouges! Ah merde! Ah! C'est ça! Murray, tiens bon pendant une minute! Mes capteurs m'indiquent une baisse du mouvement souterrain! On va aller plus profondément pour faire sortir les scorpions! Ok! Grimpe en haut de la tour de forage et court-circuite le système de contrôle de profondeur! Pourtant, okay. il y avait du peuple, hein. Enfin, regarde-moi ça, il y a encore plein de scorpions que je peux attraper. Hop. Ça, c'est déjà un peu plus représentatif de ce à quoi ressemble le jeu au global, hein. D'ailleurs, Sly, c'est le personnage principal. Merde. Mais je suis très très fan du jeu, très très fan du héros aussi. À choper. Mais non. Ah bon. Mais sérieusement, quelle peluche. Ok, on reprend. Voilà. Ça marche. Une minute. Ça fait partir l'eau autour de la tour. Ah. Mais à partir de maintenant, tu n'as plus que les scorpions pour refroidir tes pneus. Terminé. Aïe. Pas de problème, Bentley. Je maîtrise. Non, pas de problème, non. Là, il va falloir farmer la température. Parce que ça refroidit pas des masses, hein, les scorpions, je trouve. Allez, température. Oui. Alors vite la température par contre, parce que. Oui, bah je fais ce que je peux, Bentley. Mais voilà, je trouve ça sympa les variations de gameplay comme ça. Ok, on a plutôt pas mal refroidi. Là, il n'y a pas que Mother qui est chaude, il y a les pneus aussi. Bah oui, mais il y avait deux rouges avec, donc tu la fermes. Et tu laisses faire moi. Mais je m'en fous. Ouh, il y avait un rouge. Que j'ai même pas eu d'ailleurs. Jusque de bon stream.
Ok, merci d'être venu. Bon courage à toi et pour demain et repose-toi bien. Bisous, bisous. Merci d'être passé aussi. Hop. On est à 16 sur 20. Ça... c'est pas mal. Bon, là, par contre, il y a pas mal de bleu. Hop. 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 J'ai... j'ai un petit peu de mal à refroidir les pneus là. Ah. Ok. Ah, je l'ai manqué. Qu'est-ce que tu dis oui alors que je l'ai manqué? Oh. Allez, plus qu'un. Yes. Ça écrase les scorpions, mais ça flippe des abeilles. Ah oui, tranquille. Des scorpions géants, tirons-nous les gars. Bon, après, je vous avoue, des scorpions de cette taille, je ferais peut-être pas le malin. Débarrasser des mineurs, c'est moi et Mother qui vont être contents. Qui allons être contents même. Nettoyeur de scorpion. Oh. J'ai une mission pour Sly et après je sais pas. Ah, donc le fameux sombre galerie. À part ça, je crois que je n'ai plus rien. Donc on va retourner déjà à la planque. Pour prendre Sly, et puis ensuite, sombre galerie, go. Ah. Too bad. Je vois un petit peu ce qu'il y a de disponible sur voleur.net aussi. Voleur.net, pareil. S'il peut y avoir des trucs sympas ici, vous voyez? Notamment, tu n'as pas assez de pièces. Oh, bah déjà, je vais essayer pour Alski. Mais typiquement, il y a le... je sais plus comment ça s'appelle, c'est un semblant de paravoile. Ouais, je l'ai pas encore. Alors, où est sombre galerie? C'est là-bas. Oh oh. C'est quand même plus sympa d'incarner Sly, je trouve. Qui est un peu plus... comment dirons-nous ça? Agile. Je suis fait repérer. Bah attends, je prends ça. Hop. Ah. Qu'est-ce que quoi? Ok, tant pis.
On va grimper par ici, regardez. Ah, c'est là. Ah ben, je me suis éloigné en fait. En fait, faut juste que je trouve le moyen de monter. Ah. Ok, je crois que je vois comment faire. Je réussisse à monter là-haut. Et là. Hop! Voilà! Après avoir capturé le gourou, les dingos ont confisqué son bâton magique et sa pierre de lune. Sans ces objets, le gourou n'a aucun pouvoir! Vu qu'on a affaire à des mineurs, je parierais qu'ils ont planqué les objets dans l'une des grottes aux alentours. Ce sont des endroits sûrs avec tous ces gars qui y travaillent. C'est clair! Et il est fort probable qu'ils soient cachés dans ce puits. C'est là qu'il y a le plus d'ouvriers qui entrent et qui sortent. Bon point de départ. Je te suis. Ok, la paravoile me manque. Même si ça s'appelle pas la paravoile dans Sly, mais... Merde, c'était où? Oh oh. Ah, d'accord. Il fera sûrement noir dans la grotte. Tes lunettes à optimisation t'aideront à te repérer. Lunettes à optimisation. Un chemin jusqu'au bout de la grotte. Oui, ben merci. Ok. Je disais peut-être que je pourrais. Ah non, d'accord, je vois. Ah, c'est tricky, hein. Comment tu fais pour bosser ici, toi? Le bruit m'explose des oreilles. Ah! Comment tu bosses dans un tel endroit? C'est ça. J'essaie de baisser un peu, mais c'est un peu compliqué. Pour ensuite entendre ce qu'il faut entendre, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Dans un instant, je suis pas sur la table. Ok, ça marche, Ayu, à tout de suite. Je ne suis pas pour la destruction de l'environnement, mais ces grottes sont très riches en opales. Je comprends ce qui motive ces mineurs. Putain, on bouge avec tellement de facilité dans ce jeu. Alors là, par contre... Oriente le joystick analogique.
vers la droite. Yes! Voilà, re. Il est temps de te rapporter à ton propriétaire. Ces mineurs sont plus futés que je croyais. Ils ont piégé la pierre de lune. On dirait un détonateur sensible à la lumière. En le sortant et en l'exposant au soleil, il devrait se désactiver. Ok, donc en gros, j'ai un temps limité pour sortir du niveau. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Faut aller par où? Faut aller par là-bas. Ok, c'est bon. En vrai, le temps, il est... T'as pas énormément de marge, hein. Le bâton du gourou doit être caché dans l'autre complexe de grotte. J'ai marqué l'entrée dans ton binocop. Ok. Je vais faire une pause pipi après... Ah. C'est là. Je suis pas sûr que ce soit bien ce que je fais. Oh. Hop. Ah merde. C'est serré, oui, t'as vu ça? Oh oh! Ah! 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 Ah, ça craint! Hop! Ciao! Normalement, une fois qu'on est en hauteur, ils nous ont plus, hein. Mais non! Bon. Va revenir ici. Ok, je l'ai. Et c'est mort. Putain. Ah d'accord. Ok. Je saisis comment c'est fait. En fait, c'est relié par des câbles. Ah merde. Bon, on va prendre le balancement dès maintenant. J'ai peur qu'il en soit de même pour le bâton.
me demande ce que ce bâton a de si spécial. Ils ont aussi piégé le bâton. Ces gars-là sont vraiment parano. Et d'après ce que j'entends, ils ont appelé des renforts. Parano. Oui et non. Parce que le fait est que... Ah, oups. Parano, donc je disais oui et non, puisque le fait est que on les a volés en fait. Donc... Oh putain. On ne voit rien. Voilà. Bah... Attends quoi? Merde. Attends, il y a de la vie ici. Et c'est bon. Enfin, c'est bon. Je peux encore arriver à la fin. Aïe. Ça a l'air d'être bon. Ouh. Eh ben putain. Est-ce qu'on revient à la planque? Non. Ah, on a une mission pour Bentley. Bah, on va faire la mission pour Bentley après. Hein ? Pause pipi pour l'instant. A tout de suite.
Re. Petite erreur de scène. Alors là, l'objectif, ça va être d'aller chercher Bentley à la planque, donc tout là-bas, et de revenir ici pour faire la mission. Et je pense que après, on aura la préparation du plan. J'aimerais bien acheter l'esquive sur voleur net. Ok, alors là-bas ça s'appelle le gourou est lâché. Ah merde! Normalement, on doit avoir une amélioration pour faire un triple saut. Comment est-ce que je monte là-haut, moi, en fauteuil? C'est pas aux normes, ici. Comment on monte là-haut avec Bentley? Oh oh. C'est bon. Je file, monsieur. Ok, bonne nuit à Yupa. Gros bisous et merci d'être passé. Salut à toi, ô gourou de la pierre. Murray a purifié Ayers Rock et je viens humblement t'apporter ton bâton et ta pierre de lune. Maintenant, il est temps de partir. Vu l'état du grillage, il devrait pouvoir déjà partir depuis longtemps. Hein. Tu comptes t'échapper? Ça perd l'hypopète. Tu peux te transformer? Mais quand tu seras transformé, un garde viendra voir ce qui se passe. Bien vrai. Attention, voici un garde. Ah.
Ah si tu pouvais me tourner le dos, ce serait pas mal. Me tourner le dos. Sauter, appuie. Bah oui, mais. Le problème, c'est qu'il me voit en fait. Que là voilà, en fait. J'ai l'impression que c'est uniquement quand il ne nous voit pas. On peut monter sur son dos. Bon, je crois qu'il va falloir que je meure, hein, parce que... Mais... Bon, vas-y, écrase-moi parce que... Chaud, là. Où est-il passé? Maître, tu es le meilleur! Ce crétin n'a rien! Voilà! Dirige-toi vers les fourreuses. Ok. J'en ai pas fini avec toi. Ok. Ouais. Je vous ai pigé. Ces foreuses défigurent le paysage. Leur socle a l'air fragile. Projette un garde dessus. Et la machine devrait tomber en miettes. C'est vrai, certaines choses sont immuables. Ok. Alors, il faut trouver des gardes.
Bon, dans la théorie, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Hein. Surtout dans cette zone-là, mais bien sûr. Maintenant que j'en cherche, il n'y en a plus du tout. Ok, il y en a un juste là. Bon, bah tant pis. Ah non. Ah, c'est bon. Eux, ils ne restent pas à fixer l'endroit où on est, quoi. Merde. Bon, la suite. Ok, ah. Bah ici, il y a des gardes pas loin, dis donc. Si jamais je peux avoir le balèze. Merde. Et bon, il m'en reste plus qu'une. Je vois, il me semble que là-haut. Oh bah. Très bonne question. Wow, 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 wow. Ah putain, il y en a encore d'autres. Dirige-toi vers la raffinerie. Ouf. Attends, je rêve ou... Je rêve où le trampoline n'a pas marché. On est où? Merde. Cet engin est en train de démolir Webrock. Aïe aïe aïe. C'est horrible. Cependant, son générateur peut facilement être détruit si tu arrives à balancer quelques gardes dessus. Ah, oh don't I? Ok. On va se le tenter. Ok.
sais pas combien il va en falloir, mais je parie sur un truc genre 3. Ce qui est un nombre un peu classique hein, pour ce genre de mission. Mais non! Mais putain! Va dessus! Enfin! Cette machine que tu as justement frappée pleure des larmes de pétrole! Si tu veux, Murray, si tu veux. Il est mignon. Allez! Le balèze maintenant. Ou pas. Ça va se jouer au kangourou encore, je pense. Impeccable! Un petit point de Bentley, ça y est. On va mettre en place le plan. Le gourou a accepté d'intégrer notre équipe si nous débarrassons sa terre natale. On sait pas encore qui est le boss en fait. Pas facile, mais on a accepté. D'abord, nous allons solliciter l'aide des animaux locaux pour éliminer quelques mineurs. Murray donnera nos ennemis en pâture aux crocodiles géants. Avec un peu de chance, il va y prendre goût et se chargera de nous en débarrasser. Puis, nous frapperons fort où ces gars habitent, ou plutôt, se détendent. Si nous arrivons à les faire virer du bar à limonade, leur morale en prendra un coup. Le bar à limonade. Ils rentreront chez eux. Enfin, Sly s'occupera du pétrole radioactif enfoui profondément dans le lit du lac ACC. Crois-moi, c'est le seul moyen de se débarrasser du masque noir de la Terre sombre. Ça doit être le masque, en fait, le boss. Mais je crois... Ah, c'est... Ok, je me souviens du boss. Vous savez quoi? Je pense qu'il va être temps de se laisser là. Il est déjà minuit 20 et bientôt minuit et demi, pardon. J'arrive déjà plus à parler, donc c'est peut-être le signe qu'il va falloir que je raccroche. J'espère que ce live vous a plu, j'espère que cette VOD vous a plu, YouTube, si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les VOD suivantes et venir me rejoindre sur Twitch pour assister au live en direct. Et je vous laisse aussi en description tous mes réseaux, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine YouTube.